Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Eh bien c'est tout le monde, c'est Mister 1560. Aujourd'hui, on se retrouve pour le live réaction sur le premier trailer de One Piece World Seeker. Alors oui, ça fait un peu tard, ça fait presque une semaine que le trailer est sorti. Mais je voulais vraiment vous le faire parce que c'est le premier trailer qu'on a de One Piece World Seeker. Donc voilà, je vais vous faire. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai le même t-shirt que dans la précédente vidéo ou dans le futur ou celle ou la prochaine, je sais pas, enfin vous verrez. C'est parce que je fais les deux vidéos de suite. Voilà, comme ça, moi, parce que vu que c'est Noël, et bon Noël à vous tous, hein, l'ami Rai Family. Voilà, un gros bon Noël, même si ça n'existe pas. Hein, voilà, passez un bon Noël et j'espère que vous allez avoir plein de cadeaux et profitez bien. Parce que ça n'arrive pas souvent, enfin, ça arrive souvent qu'on ait, ça arrive toutes les années qu'on a un Noël, hein, c'est normal. Mais profitez bien pour tous ceux qui sont jeunes, surtout, profitez de vos Noëls, profitez vraiment de vos Noëls. Et voilà, profitez tous de vos Noël et une grosse paix sur vous. Ouais, j'ai violé la phrase de Riles, mais je ne voyais pas d'autre quoi dire. Donc, voilà, donc du coup, on va regarder le One Piece World Seeker pour le premier trailer. Bien évidemment, vous avez la petite fenêtre qui va apparaître ici. Même si j'ai ma grosse tête, bah, je mettrai le trailer sur ma grosse tête. C'est pas grave. Donc, mais voilà, ça fera comme My Hero Academia. Après, je dirai ce que j'en pense et tout ça. Donc c'est parti, on lance le trailer, hop, il est chargé, et c'est parti, donc bon trailer à vous, même pour tous ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Allez, c'est parti. Voilà, on commence par un Peggy 12. J'ai baissé le son parce que vous allez... Bon, c'est pas grave. Putain, le jeu il est ultra beau par contre. Putain, mais le jeu il est ultra beau, putain! Ouais. Ah ouais, mais quand ils disent que c'est un monde ouvert, c'est un vrai monde ouvert, quoi. Oh, ouais, les jets de pistoles. Ouais, le gamin gamano. Bazooka. Non, MDR. Putain, mais même lui en 2018. Waouh, Bah là, j'ai rien à dire. Hein. Juste magnifique. Trailer super bon. On voit vraiment le monde ouvert quoi dans One Piece. Et ça, ça fait plaisir. C'était ce qu'on attendait de tous. Hein. De toute façon, et puis, il nous avait bien teasé sur ça. Donc j'espérais vraiment que ça soit même moins bien. Tu vois, au départ, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Mais là, un vrai monde ouvert, quoi. C'est... Waouh. Un monde, vraiment monde ouvert de One Piece. Et là, je pense qu'on va bien s'éclater. Donc, qu'est-ce que je pense? Franchement, bah, je pense que le jeu va être une pure tuerie. Ah, tout simplement. Je disais par rapport à My Hero Academia que le jeu, ça va être peut-être le jeu de l'année au niveau manga. Je crois que One Piece... Ouais, bah, je pense que One Piece va tout niquer. Même à côté, pour moi, Dragon Ball FighterZ n'est pas aussi bien. Juste ça. Mais qualité... Dragon Ball FighterZ, ça ne sera pas aussi bien que One Piece World Seeker. Je pense que là, One Piece va dépasser Dragon Ball au niveau des jeux. Là, je pense que One Piece va tout démonter en 2018. Ça va être One Piece en premier, Dragon Ball FighterZ en deuxième, et puis troisième, ça va être Attaque des Titans. Ça va jouer entre Attaque des Titans et My Hero Academia.
Faut pas sous-estimer Gintama et Nanatsu no Taizai et Black Clover aussi. Hein. J'ai vu vite fait les trailers de Black Clover. Il avait l'air intéressant. Pour ça, je vais peut-être me mettre au manga et tout ça. Mais franchement, juste le trailer, il dure 1 minute 43. On voit juste 2-3 phases de gameplay. Magnifique, quoi. Franchement, vrai monde ouvert, quoi, de One Piece. Et ça fait grave plaisir. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, franchement. Ouais, choqué du trailer, j'avoue. Alors, je vous ai pas fait aussi la vidéo où je fais live réaction du combat Katsuki, de Kachan face à Midoriya, parce que je l'ai déjà regardé, et puis je voyais pas l'intérêt. Je vous ferai au pire les autres trailers en live réaction, mais là, franchement, très, 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 très beau jeu, et très, un grand... Une grande impatience qui vient de se mettre en place pour l'acheter, le One Piece World Seeker, pareil que My Hero Academia. Mais wow, wow. Alors dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi vous aussi en commentaire quel jeu vous attendez le plus en jeu manga durant l'année 2018. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros Mirai pouce bleu pour me faire plaisir, hein, comme là, tout le temps. Ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, bien évidemment. Et à me rejoindre sur les trois réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snap, bien évidemment. Vous connaissez la musique. Et du coup, moi, je vous laisse. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain, et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!